De volgende spreker is professor aan de ULB. Hij bekleedt de leerstoel Environnement et Economie. Begeleidt er een team van onderzoekers die werken rond governance, economische ecologie en milieubeleid. De titel van zijn presentatie is Wetenschap en maatschappij in de Europese gangen. Waar is de economische heterodox? Dames en heren, uw warm applaus voor Tom Bolaire. Bonsoir. Ça marche, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Ok. Normalement, j'ai une présentation PowerPoint quelque part. Ah, voilà. Donc, bonsoir, mon nom est Tom Bolaire, comme l'a dit la dame, je travaille à l'ULB. Je suis économiste de formation, je travaille à l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire, et je m'occupe des choses de l'environnement. Alors, la commande initiale que j'ai reçue était celle que vous voyez sur le slide, parle-nous du rapport entre économie et environnement. Alors, j'étais assez enthousiaste de venir vous parler de ça. Le problème était que j'y connais pas grand-chose, en fait. Du coup, j'ai changé en début de semaine, j'ai commencé à changer un tout petit peu la commande et je me suis dit, je vais remplacer économie par science et environnement par société. Et pour quand même rester un tout petit peu dans l'esprit de la commande initiale, j'ai rajouté dans la configuration d'une alternative économique. Donc, je vais essayer de vous parler de ça aujourd'hui en 13 minutes, quelque chose comme ça, ce qui est franchement presque impoli, en fait, je trouve. Mais bon. Alors je regarde tout le temps en bas parce que mon écran il est en bas, donc voilà. Donc il fallait un lieu. Bon, le lieu était un peu évident, c'était Bruxelles parce que c'est un peu l'objet de l'exercice. Le deuxième problème en fait devant lequel était, c'est que je travaille pas sur Bruxelles, donc j'y connais pas grand chose à part que j'habite Bruxelles et j'adore Bruxelles, je trouve ça très chouette ici, mais je travaille pas sur Bruxelles. Alors je travaille sur un truc qui se trouve à Bruxelles, c'est ce truc là, c'est l'Europe. Donc je me suis dit, je vais quand même parler de quelque chose de bruxellois et et en particulier en fait des couloirs administratifs, parlementaires, qui se trouvent à Bruxelles, les couloirs européens. Donc du coup, le titre de ma présentation ou l'objet de ma présentation est plutôt ceci. Essayons d'analyser ce que produisent l'interaction entre sciences et société dans les couloirs européens et avec cette espèce de petite question de recherche en 11 minutes. Où est l'hétérodoxie économique? Donc je cherche l'alternative économique dans ces couloirs. Voilà, ça c'est l'intro. Alors la question qu'on se pose en fait, ou que vous devriez vous poser, c'est pourquoi faire ça? À part de vous amuser. Bah, la raison est la suivante, elle est pour moi en tous les cas dans mes recherches essentiellement environnementales. C'est je m'intéresse aux questions de l'alternative économique, de l'alternative sociétale, pour des raisons environnementales. Bon, ça, c'est une image de début de semaine. Ça, c'est le nuage de neige qui est descendu sur Buffalo. Donc, c'est assez impressionnant, c'est chouette. Bon, ça n'a rien à voir avec le changement climatique, mais ça fait un tout petit peu comme un changement climatique. Donc, c'était une chouette image. Donc, pourquoi faire gaffe, en fait, aux questions environnementales? On parle tout de suite, très rapidement, des changements climatiques, parce qu'effectivement, c'est une chose qui est assez facile à expliquer, en fait. Je crois que c'est pour ça qu'on en parle. Mais ce n'est pas la seule chose, en fait. Et c'est probablement de loin la chose la plus catastrophique, la plus difficile qui nous attend. Alors ça, c'est une représentation que j'utilise énormément dans mes cours, que beaucoup de mes collègues utilisent aussi dans les cours. C'est une représentation semi-récente, d'il y a quelques années, faite par toute une gamme de chercheurs sous la houlette de quelqu'un qui s'appelle Rockström. Ils se sont posé la question assez évidente, quelles sont les problématiques environnementales face auxquelles on est en train de maltraiter les capacités de charge de la Terre. Donc pour le dire autrement, quelles sont les limites environnementales qu'on est en train de dépasser. Donc vous voyez sur ce graphique en fait 9 problématiques. Le changement climatique c'est le truc en haut, hein, c'est le truc à 12 heures. Et à l'intérieur du graphe vous voyez la petite surface verte. C'est la surface en fait de capacité de charge. Donc ça, c'est la limite à ne pas dépasser. Et comme vous le savez tous, avec le changement climatique, on est déjà un petit peu en train de dépasser cette limite. Et donc, c'est pour ça que la surface rouge, qui est la pression environnementale en termes de changement climatique, elle dépasse la limite acceptable en matière de changement climatique pour l'instant. Alors, vous voyez que c'est un petit dépassement, entre guillemets. Vous voyez deux autres problèmes environnementaux qui sont en surcapacité, en surcharge par rapport à la capacité qui est beaucoup plus importante.
À votre droite, vous ne savez pas le lire, mais bon, c'est la rupture du cycle de l'azote, qui est quelque chose de très très inquiétant, que probablement même pas 10% d'entre vous sont capables d'épeler. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, l'autre truc très très important, très anxiogène, ce sont les problématiques liées à la perte de la biodiversité. Alors, trois problématiques qui sont en surcharge, et puis deux problématiques qui sont, en fait, à l'heure actuelle, non évaluées. Donc, ce sont les deux choses, en fait, en haut à gauche, à 11h et à 10h, qui est la pollution chimique. On n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir évaluer, monitorer en fait l'impact en termes de changement climatique, en termes de pollution chimique. Et puis le deuxième, ce sont les aérosols dans l'atmosphère. Alors j'accélère parce que le temps passe. Ça, c'est la raison typique pourquoi on cherche des alternatives. Donc ça, c'est une représentation en fait de ce qui nous attend. Ce sont des scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un truc que vous connaissez. La barre, la grosse barre à votre gauche, ce sont les émissions aujourd'hui. La toute petite barre, qui n'est même plus une barre, qui est plutôt un petit prout là à droite, ça c'est vers où il faut qu'on évolue en 2050. Donc c'est quelque chose d'assez... Oui, c'est une grosse rupture, et donc du coup, on est en droit de se poser la question des alternatives. Donc chercher les alternatives dans quel registre, pour rester avec les graphes, en fait, une des choses, ou la chose, la vague de fond qui génère ce type de choses, ce sont les activités économiques, c'est l'économie, les sciences économiques, l'industrie, nos comportements de consommation, en fait c'est notre être économique, l'être économique de nos sociétés qui génère ce genre de choses. Donc il faut s'attaquer aux alternatives économiques et en imaginer d'autres. Et donc d'où ma volonté de vouloir chercher ces alternatives économiques, notamment dans les couloirs administratifs du niveau européen. Alors la prochaine question, que faut-il chercher ? Une alternative, c'est vite fait. Est-ce qu'il faut chercher ça? Est-ce qu'il faut chercher les décroissances? C'est pas sûr. Quand il fait beau dehors, moi, personnellement, parfois, je trouve ça assez attrayant. Mais il faut qu'il fasse très, très beau et que je sois assis à une terrasse. Et, voilà. On ne sait pas aujourd'hui les alternatives. Par contre, ce qu'on sait faire, en fait, ce sont ériger une série de critères environnementaux que devraient respecter les alternatives du futur. Parmi lesquels ce qu'on appelle le découplage absolu. Donc ça ne sert à rien de commencer à diminuer les pressions environnementales de manière relative, donc diminuer par exemple pour chaque PIB, pour chaque unité de PIB générée d'une unité les pressions environnementales, ça ne sert à rien, parce que la croissance économique tend à augmenter de manière assez forte, bon, plus chez nous pour l'instant, mais dans d'autres contrées actuellement, et donc les gains d'efficience sont vite avalés par des augmentations de croissance. Donc d'où la nécessité de chercher des découplages absolus, donc des réelles diminutions d'émissions de CO2, des réelles diminutions de pression sur la biodiversité. Deuxième caractéristique, un respect des limites, ça c'est assez évident. Troisième critère, un peu moins évident à expliquer, mais c'est un critère de non-substitution des différents capitaux. Alors, le terme capitaux est un peu bizarre, mais prenez-le pour ce soir, parce que j'aurai besoin de beaucoup plus de temps que ça pour vous l'expliquer. Mais pas de substitution entre les différents capitaux, entre le capital naturel et le capital humain. Pour le dire dans des mots simples, ce n'est pas une bonne idée de donner des quotas d'émissions gratos à une grosse industrie métallurgique en région wallonne, parce que vous faites une substitution entre une promesse de croissance économique contre une pollution environnementale à coup sûr. Ça, c'est pas nécessairement une bonne idée. Dernier critère, on est face à des incertitudes fortes. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas expliquer. C'est assez évident pour vous tous, j'imagine. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, si on prend ces quatre critères, on peut commencer à construire des programmes, en fait, quelque part, ou en tout cas des espèces de framework de programmes. C'est ce que je fais ici avec deux exemples. On pourrait le faire de manière beaucoup plus longuette, mais avec deux exemples. Donc, si on prend le découplage absolu, les incertitudes fortes, donc en gros, il faut diminuer de manière drastique et inconditionnelle les pollutions environnementales, mais en même temps, on n'en sait absolument rien. Alors, évidemment, c'est un peu difficile. Donc, dans le couple, en fait, il faut tout de suite faire insérer non seulement l'activité scientifique, mais aussi l'activité sociétale, la créativité sociétale, et faire interagir science et société. Et ce sont les programmes qu'on appelle aujourd'hui des programmes de transdisciplinarité ou alors de co-création, d'alternatives, de solutions. Donc les alternatives ne se trouvent pas si facilement dans les textbooks officiels, mais il faut commencer à les créer tous ensemble. Alors, finalement, si on regarde dans les couloirs, dans ce couloir-là, on ne trouve pas grand-chose, il n'y a personne.
Mais j'ai quand même fait un effort surhumain pour trouver des trucs. Alors j'ai trouvé ça, qui sont en fait trois objets d'activité administrative au niveau européen, de diverses formes, et qui sont par ailleurs aussi des objets de recherche sur lesquels je travaille. Donc c'était assez facile de les trouver, évidemment, pour moi. Économie circulaire. Donc qu'est-ce que c'est ? Bon, on sait aujourd'hui que l'économie ordinaire est une économie linéaire. On extrait des ressources, on produit des bidules, des choses, on les consomme et on les jette. C'est à peu près ça. L'économie circulaire a une promesse, en fait, c'est de boucler les systèmes. Par exemple, les systèmes énergétiques. Par exemple, chaleur qui est produite dans une industrie va être utilisée pour produire de l'énergie dans une autre industrie. Donc c'est une super promesse. Malheureusement, ça marche assez peu bien pour l'instant. Et en tout cas, la seule chose qui est derrière, c'est une promesse d'optimisation qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas suffisante parce qu'elle est en rupture avec l'histoire des découplages absolus. Deuxième option qu'on trouve, si le truc va bien, c'est l'innovation sociale. Avec cette promesse derrière, si les bidules, rendre efficients les bidules, les objets, les process industriels ne suffit pas, alors tournons-nous vers les citoyens, vers la créativité citoyenne, parce que visiblement la créativité institutionnalisée dans les marchés, dans les entreprises ne suffit pas, donc il faut que nous tous commencions à inventer des choses. L'innovation sociétale, c'est la buzzword pour l'instant au niveau de la Commission européenne, ou en tout cas juste avant l'arrivée de Jean-Claude Juncker qui réfléchit encore un tout petit peu si ça l'intéresse aussi. Donc l'innovation sociale, c'est une promesse énorme. C'est nous tous qui avons le pouvoir de faire changer les choses. C'est une gouvernance des opportunités, en fait. C'est l'État qui ne gouverne plus les industries pour qu'elles imaginent des bidules incroyables, mais c'est l'État qui nous donne des opportunités pour imaginer des choses telles que les AMAP, les GASAP, les circuits courts, des paniers bio, circuler en vélo, en masse critique et des choses de ce genre. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, personne ne sait si ces alternatives-là, une fois qu'elles vont être systémiques, donc dans 20 ans, 30 ans, une fois qu'elles vont être grandes, si elles vont respecter les limites de la Terre. Les AMAP, les GASAP, donc les paniers bio, ont ce problème actuellement qu'elles sont face à une consommation assez incroyable d'énergie sur ce qu'on appelle le last mile. Donc c'est nous qui allons chercher notre panier bio quelque part. Et il suffit que certains d'entre nous y aillent en voiture, que tout le système est foutu en fait en termes d'émissions. Voilà, on n'en sait rien. À nouveau, cette incertitude qui est un peu forte. Donc, troisième objet, le Beyond GDP, qui en français se laisse traduire par au-delà du PIB. Et là, intervient un peu le sarcasme des couloirs européens, parce que c'était un agenda de travail assez fort il y a 4-5 ans au niveau européen. Essayer de trouver d'autres indicateurs de notre société au niveau macroéconomique, assez rapidement, ils ont changé un peu ça en GDP and Beyond. Donc, la subtilité n'est pas réelle, mais allons voir au-delà du PIB. Et puis quelqu'un est passé par là, il a dit, non, allons voir ce qui existe à côté du PIB. Ça devrait suffire comme programme pour fonder finalement les alternatives sociétales au niveau macroéconomique. Donc, je vous passe là parce que le temps passe. Mais en gros, la promesse, c'est cherchant d'autres indicateurs. Le PIB ayant ce problème actuellement qu'on le prend en fait pour un indicateur de bien-être, nous tous un tout petit peu, et en particulier les médias, nous poussent à ça et poussent aussi les politiques à se référer uniquement à cette mesure unique de quelque chose qui est censé être le bien-être, mais qui n'est pas le bien-être, qui est juste une mesure du flux économique à l'intérieur d'une entité économique à l'intérieur d'un pays. Donc cherchant quelque chose d'autre, et en particulier par exemple des indicateurs de bonheur, de bien-être subjectif et des choses de ce genre. Or, ce qu'on voit aujourd'hui dans les couloirs européens, ce sont des ajustements à la marge. Alors, on prend le PIB, on calcule à côté de ça les coûts, par exemple, relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, on retranche ça annuellement du PIB, et on a une meilleure mesure du PIB, parce qu'il est corrigé. Bon, ça ne suffit pas. On peut imaginer qu'une nouvelle alternative économique, une nouvelle société, ne va pas émerger de ce type d'ajustement à la marge. Donc, ça ne fonctionne pas très bien, et par ailleurs, ça, si vous commencez à calculer, à monétariser des pressions environnementales, vous faites automatiquement de la substitution entre différents capitaux, notamment capitaux naturels et capitaux financiers, capitaux humains, et donc vous êtes à nouveau en rupture par rapport à notre programme de travail de base. Donc, science et société dans les couloirs européens, non, je ne trouve pas cette hétérodoxie dans les couloirs. Et ce n'est pas étonnant, probablement beaucoup d'entre vous vont être soulagés, parce que si les alternatives du futur émaneraient vraiment de ces couloirs-là, qui sont quand même un peu tristounets,
peut-être que la vie ne serait pas la vie qu'on voudrait vivre. Alors ça, c'est une réelle alternative, c'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous, ou en tout cas les plus jeunes, s'en connaissent. Ce sont des étudiants qui se mettent ensemble pour mettre de la pression sur bêtement leur professeur d'économie pour qu'ils changent leur programme de travail et leur cursus, pour qu'on ne parle plus uniquement de Keynes, néolibéralisation et autre chose, mais qu'on revient à d'autres auteurs qui sont peut-être plus en phase à faire générer des alternatives économiques de l'hétérodoxie économique. Voilà, merci.